y a un secret incroyable dans le premier Zelda. Quand on regarde la carte des donjons, chacun a la forme de son nom. Le donjon de l'aigle, c'est un aigle. La lune, la montagne de la mort, le serpent, et ça, c'est le manji. C'est un signe bouddhiste, hein. Mais le truc encore plus fou, c'est que tous ces donjons n'en forment qu'un. Si on les assemble comme un puzzle, toutes les parties ne forment qu'un gros bloc, comme si ça avait été fait exprès. Ok, maintenant le truc qui va vraiment faire péter ton cerveau, si tu appelles ton personnage Zelda au début du jeu, tu débloques le mode difficile. De nouveaux ennemis, des nouveaux donjons plus durs à de nouveaux endroits, mais surtout un changement dans leur forme. Z-E-L-D-A, Zelda. C'est fou un tel niveau de détail, tout ça pour que 20 ans après on puisse dire...